Salut YouTube, c'est Bazon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Minecraft History. Alors, j'espère que déjà cette petite introduction vous a plu. Voilà, j'ai essayé de planter un petit décor pour mettre un petit peu de lore dans tout ça. Donc, si vous n'avez pas suivi exactement à quoi consiste cette aventure, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite juste avant, qui se trouvera ici. Mais en attendant, je vais vous expliquer très rapidement comment ça va fonctionner. On va commencer, donc, comme vous voyez, sur la version Minecraft 1.0. Oui, ça va faire bizarre. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait en construction. C'est très léger quand même, hein. Mais bon, voilà. On va commencer en aventure sur donc, Minecraft 1.0, la version Java, bien sûr. Et donc, nous allons aller réaliser un premier objectif. Je vous le dirai au fur et à mesure, une fois qu'on aura commencé. Mais voilà, l'objectif, c'est de faire l'objectif. C'est un peu logique, mais voilà. Et donc, la validation de cet objectif nous permettra de passer en Minecraft 1.1. Donc, j'ai prévu 2-3 objectifs par version. Si je vois qu'il y a besoin de plus d'objectifs à un moment, bien sûr, je vais en trouver d'autres. Enfin, on va en trouver d'autres parce que la plupart de mon gameplay sera fait également en live sur Twitch. Donc, rejoins-moi sur Twitch. Donc, voilà. Écoutez, on va commencer l'aventure, donc vous êtes prêts? C'est parti! On y va! Alors, est-ce que le son va être déjà trop fort? Oh là 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 là! Alors, voilà, donc on est en survie 1.0, on n'a pas de skin, bien sûr. On a la petite musique Minecraft qui est derrière. Et on est parti pour commencer à creuser. Donc pour l'instant il fait jour, on est tranquille. Et donc voilà, donc pour l'instant, vous voyez ça c'est du spruce et on a du wood tout simplement. Il n'y a rien d'autre. On a des moutons là-bas, on n'a aucune aide, on peut rien faire hein, vraiment. C'est le basique, on a même... Ah d'accord, ok. On peut même pas glisser les icônes. Tout va bien. Hop. On va faire ça, 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 ça. On va prendre ça. Hop, hop, hop. Non. Ça va, on peut faire au moins ça. Shift. Très bien. Alors, on va commencer par faire une épée en bois. Hop. Quelques petits outils. Et l'objectif, donc, de cette première journée, ça va être de la journée. Pas l'objectif de la version 1.1, mais ça va, vous inquiétez pas, je vais vous le dire juste après. Mais l'objectif de la première journée, ça va être de se nourrir. Alors, les moutons, si je ne dis pas de bêtises, en 1.1, ne donnent pas de nourriture. Voilà. Il n'y a pas de nourriture de moutons. Donc, peut-être qu'ils donnent du porc, je ne sais pas. On peut pas... Ah si, on peut courir quand même, ça va. Allez, on avance. On va essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Il me faut de la nourriture, déjà. On va commencer par ça. Oh putain. Non. Bon, on a déjà un village. Excellent. Alors, je ne peux pas faire C parce que Optify n'existe pas en 1.0. Donc voilà. Je vais vous quand même parler de l'objectif que j'ai pour cette première version de Minecraft. Nous allons devoir juste trouver le portail de l'End. Voilà. Ça va être le premier objectif de cette première mission. On a trouvé un petit village, je ne sais pas ce qu'il y avait de généré au niveau des villages à ce moment-là. Alors une chose est sûre, c'est que la bouffe, ça descend, mais super vite.
Est-ce qu'on a des petits coffres? Non, il n'y a rien. Oh, les vieux villages. Coucou les villageois. On pouvait rien faire avec les villageois, je crois. Non. Là-dedans, il y a peut-être quelque chose. Alors, le village est très très bien généré, comme vous pouvez le voir. Non, mais. Non, on peut vraiment rien faire avec eux. Hein. Non, rien du tout, d'accord. Bon. Une torche. J'allais la mettre en main droite. Non, non, non. Allez, on va prendre du blé. On va essayer. Donc, comme j'ai dit, hein, l'objectif, trouver le portail du donc de l'End. Donc, qui dit portail de l'End dit tuer des Enderman. Enderman, ça va être un peu chaud. Donc, je pense que ce qu'on va faire en premier, c'est essayer de se stuffer un petit peu. Faire une petite session minage tranquillou. Pas non plus un truc de psychopathe, d'accord? Mais une petite session minage juste pour avoir peut-être du fer, tout simplement. Au niveau des couches de Minecraft, je ne sais pas si ça a changé à travers les versions. Donc on va essayer d'aller un peu en couche 11 hein, pour retrouver notre couche 11. On verra bien si on trouve ça. Mais en tout cas, voilà, le village a l'air assez vide. Il n'y a pas grand-chose. Je ne pense pas qu'il y avait de... Ah, si, 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 si. Alors déjà, on va... Il y avait des coffres ici. Ah, il n'y avait pas de coffre encore à cette époque-là. Parce qu'après, par la suite, en fait, on a des coffres, mais que dans les forges. Mais là, on n'en a pas encore. Hop, hop, hop. On va se faire notre première pickaxe pour récupérer. Les fours, voilà. Bon, je me suis installé dans cette petite maison. Voilà, petite maison tranquillou. On va dormir très rapidement parce que on va éviter de passer la première nuit. Hein. Pour l'instant, on va essayer de se stuff avant de essayer de se frotter à des Endermans. Hein. Bah parce que les Endermans vont me défoncer, tout simplement. On va les miner en cave pour essayer d'avoir du diamant, peut-être, avec un peu de chance, mais au moins du fer. Et du charbon, parce que pour faire cuire les choses aussi, ça va faire du bien. En tout cas, ce qui est assez drôle, c'est que les bûches ne se dépensent pas trop, j'ai l'impression, avec cette version-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop, on va récupérer du bois. Alors, on s'en fout, hein, là, le village... là, pour l'instant, pour les premières versions, dites-vous que le build, il n'y en aura pas trop, d'accord? Là, pour l'instant, ça va être un peu de la mode, un peu de mode survie, aventure, etc. Mais le build, en vrai, ça pourra arriver très vite, hein, je vais pas vous mentir. Mais là, tout de suite, non. Allez, c'est bon, on est prêt pour le minage. J'ai de la nourriture, j'ai du bois, j'ai pris 40 bûches, ça devrait être bon. On a du coal pour refaire des torches. Voilà, 48 torches, ça devrait être pas mal. Et on est parti pour descendre à la couche 11 et on verra ce que ça donne. Notre premier fer est là. Ça y est. Alors, on n'a pas creusé beaucoup, hein, mais on tombe directement sur un petit filon de fer. Ça va faire du bien. On va pouvoir faire déjà notre première pioche en iron. Mais on va continuer. Pour l'instant, on en est en couche 47. On va descendre jusqu'à la couche 11. Et j'ai 14 de fer. Donc, on va commencer par se faire les premiers outils. Je pense qu'on ne va pas forcément pour l'instant faire le reste. Je vais aller refaire une belle session après pour aller faire le. J'ai besoin que de ça en vrai. Ça, on va ranger pour l'instant. Ça, ça, ça. Ouais, on est bien là en vrai. Hein. Bah, je vais toujours pouvoir me faire peut-être un petit casque. Voilà. Des petites bobottes. Voilà. On ne peut pas appuyer. On fait ça. Et on fait ça. Ça y est, on commence à ressembler à quelque chose. Non. En fait, on ressemble à rien. Mais c'est pas grave. Allez, on retourne dans la mine. Nous voilà en couche 11, regardez. Alors, ça fait bizarre un peu de voir tous les trucs là. On dirait un moniteur cardiaque, le truc. Mais voilà, on est en couche 11. Donc, on va faire un peu de minage opti. Hein. Je vous passe ça, hein, parce que ça va pas être intéressant. En vrai, un petit timelapse avec un peu de musique, ça peut être sympa, ouais. Allez, let's go. C'est parti, vous allez me voir creuser à la vitesse de la lumière. Thank you.
Et ben voilà, on a du diams. Diams! Bon, on en a que deux, hein. On va pas aller loin avec ça, mais bon. Bon, ben voilà! Écoutez, on va faire un peu d'exploration. Je vais essayer de rester un peu dans les cavernes pour voir ce qu'on gagne. On remonte et puis on fait le bilan de tout ce qu'on va avoir. Faire gaffe à ça. Attendez, c'est dangereux ce truc-là, là. À tous les coups, je vais tomber. Pourquoi j'entends des zombies partout, là? Oh. Danger. Danger. Nous avons notre premier. On peut spammer, on peut spammer, on peut spammer. Voilà. Waouh. Bon, on a trouvé notre premier. C'est quoi là? C'est bon, il n'y a rien. Notre premier spawner. Ça, c'est cool. Ça, on va pouvoir avoir de l'XP à gogo. On va continuer d'explorer. Et pour l'instant, je vous montre un petit peu. J'ai déjà 11 diamants. Donc, ça, c'est excellent. Bah en fait, regardez, le spawner est juste à côté d'où il y avait mes coffres. Donc c'est cool. On va pouvoir redescendre tranquillement. On va continuer à explorer un petit peu quand même. On sait jamais, on peut peut-être retrouver du... Ah. Ok. Bon. Ça, j'aime pas. Bon, le diam, je suis content, mais le petit mineshaft juste là. Ça pue? Ça pue, ça pue, hein? Alors on va quand même aller voir, on va faire un petit coucou juste pour voir, mais si j'entends un spawner à araignée, je me casse direct. Ah, quand même. On va quand même trouver de l'or dans un stronghold. Sinon, c'est pas un vrai stronghold. C'est pas un stronghold, dans un mineshaft, pardon, désolé. On a trouvé de l'or dans le mineshaft. On pourra faire des pommes dorées si l'envie nous dit, ou si ça existait, je ne sais même pas. Bon, écoutez, en tout cas, on a pas mal exploré ce petit mineshaft. Il n'y a pas grand-chose. J'ai quand même 18 diamants. J'ai retrouvé un petit filon. Donc, ça, c'est cool. On a pas mal de. On a ça. On a de l'iron. En vrai, je pense qu'on va être quasiment prêt pour essayer de chasser l'Enderman et avoir notre Ender Pearl. Enfin. Pas une seule Enderpearl, c'est ça le problème. C'est qu'il va en falloir quelques-unes. Pour l'instant, l'objectif, ce n'est que de trouver un Stronghold, d'accord? Je vous dis pas c'est quoi le deuxième objectif si je meurs en 1.1. Mais si vous réfléchissez bien, vous allez deviner. Allez, on va remonter à la surface. On continue un peu d'explorer, on monte à la surface et on fait un récap de tout ce qu'on a eu. Voilà, nous revoilà ici. La nuit va arriver, je pense, dans pas trop longtemps. Pas du tout. Donc on a un peu de temps. Je vous montre un peu, parce qu'après on va aller chasser l'Enderman. Et donc voilà où on en est. Donc ce que j'ai, bah déjà au niveau du stuff, vous voyez, je suis quasiment full diams. Je me suis fait une pioche et une épée. La hache sert pas à grand chose, on va pas se mentir. Je me ferai une hache en iron, ce sera très bien. J'ai un arc avec 30 flèches, donc ça c'est cool. Pas pour les Enderman, mais pour ce qui est autour. Et vous voyez, j'ai encore beaucoup de fer. Donc je suis... Bien, je vais me faire un petit saut au cas où, mais bon, ce sera pas pour les MLG parce que moi et les MLG ça fait 4, hein. Je sais même pas le prononcer, vous avez vu. Donc voilà, donc là l'objectif en fait ça va être de se balader dans la plaine une fois qu'il fait nuit et on va taper du mob pour essayer de trouver des Enderman. Donc j'espère que la méta Enderman fonctionne comme avant, c'est-à-dire que ils sont un peu petits en taille et donc on va pouvoir en profiter. Si c'est pas ça. Ça va pas sentir bon. Voilà, c'est tout. Allez, on attend la nuit et on va aller se balader avec les zombies.